Alors là, maintenant, on va passer donc sur une vidéo de stretching. Donc, on va faire sur l'ensemble du corps. Ce sera donc un cours confirmé. Donc, c'est parti. Je mets un petit peu de musique. Alors, donc, on va aller se mettre en condition. Donc, on se couche sur le sol. On s'étend bien. On pense qu'à soi. On pense à rien d'autre. Donc là, on relâche bien la pression. Et tranquillement, on va aller bien expirer. Et inspirer. Donc pensez à bien accentuer la respiration. Ça permet de bien gonfler le ventre et de bien le rentrer. Et ça permet de bien se détendre et de se mettre dans une bonne mise en condition. On relâche totalement la pression, on ne pense plus à rien, on pense qu'à soi. Il fait beau, les oiseaux chantent. Et on relâche tranquillement. Donc là, on va passer sur une décontraction au niveau des articulations de la cheville. Donc on va aller chercher la jambe, poser les mains derrière, le pied en l'air, et on va faire des rotations intérieures, donc à peu près 4. 4 dans l'autre sens. Et là, on alterne. Petit single. À peu près 8 répétitions. Et on reprend. On fait 4 rotations d'un côté et 4 de l'autre. Donc là, vous devez bien ressentir un relâchement au niveau des articulations de la cheville. Et je ramène la jambe et j'alterne avec l'autre. Pareil, 4 rotations dans un sens. Et là, on fait des répétitions single. Et on répète à nouveau. Donc pareil, au niveau de la respiration, gardez bien votre rythme. De bien expirer, inspirer. Ça permet de bien se détendre. N'hésitez pas même à fermer les yeux, hein, ça permet de bien se concentrer. Et je relâche tranquillement. Donc là, on va passer aux étirements de la cuisse. Donc sur l'arrière de la cuisse. Donc c'est simple, on va ramener genou poitrine. Donc là, vous pouvez ressentir un étirement au niveau des ischios et jambiers. On expire bien. N'hésitez pas à appuyer légèrement pour avoir une petite tension au niveau de la jambe. Et j'alterne avec l'autre. Regardez bien, regarde en face du plafond, moi je vous regarde, mais le mieux c'est de regarder, garder le regard face au plafond. Et le top du top, c'est d'avoir les yeux fermés. Et je relâche. Alors, là, on va étendre maintenant. On va continuer sur les muscles de la cuisse. Et des articulations de la hanche. Donc on met genou fléchi au sol, l'autre pied posé avec le genou fléchi, et on va simplement ramener la hanche sur l'avant. Donc là, vous devez sentir même un étirement, c'est assez complet au niveau de la hanche, au niveau des cuisses et même au niveau du mollet. Donc on inspire, on expire bien, donc on garde le regard face. J'alterne avec l'autre jambe.
Pour ceux qui ont un peu plus de mal, je vous montre. Vous restez sur l'étirement au niveau de la hanche, vous pouvez aller chercher derrière et soulever. Donc là, ça permet d'étendre la hanche et les cuisses. Je vous remonte l'autre position. Donc là, c'était l'option. Je reviens sur l'autre. Donc là, maintenant, on se met toujours sur les genoux. Là, on est sur l'autre exercice. Excusez-moi de ma petite erreur. Et on va aller chercher le pied derrière. Donc là, ça permet de bien étirer le vase latéral, enfin tout ce qui est muscle de la cuisse. Et la hanche. Donc essayez quand même de garder le buste droit, fixe, et on expire. On inspire bien. Bon, là par contre pour cet exercice, il n'y a pas trop d'options. Donc, si toutefois vous n'y arrivez pas, vous restez sur le premier exercice où on met simplement les hanches à l'avant. Allez, on part sur l'autre jambe. Donc, on peut s'appuyer pour aller chercher le pied derrière. Déjà, dans un premier temps, sur tout ce qui est vase latéral et muscle fessier. Donc, on va simplement ramener la jambe sur l'autre. Vous pouvez plier ou tendre la jambe. Sur l'autre genou, vous vous repérez à peu près au genou. Vous tournez le buste et vous tirez. Donc là, vous devez sentir un étirement au niveau des muscles fessiers, du vase latéral. On expire, on inspire bien. Et on alterne avec le jambe. Moi, je l'appuie. Ça permet d'étirer un peu plus. Après, si vous sentez que c'est un peu compliqué, vous tendez la jambe. Sur les muscles de la jambe. Donc là, on va passer sur les muscles adducteurs. Donc, on va se positionner sur les coudes et écarter les jambes, se mettre en position grenouille. Donc là, ça permet de bien étirer au niveau des adducteurs. On inspire, on expire bien. N'hésitez pas à fermer les yeux, gardez bien le regard face au sol. On se détend, c'est le week-end. On pense à soi. Et on revient tranquillement en resserrant les genoux. Et là, donc, on va continuer sur les muscles adducteurs. Donc, on va mettre chaque paume de pied face contre l'autre et on peut donc garder le dos droit, bien sûr, enfin il faut garder le dos droit, excusez-moi, le dos droit, les abdos quand même gainés, et donc on va déposer les mains, donc poser les mains ou les coudes pour avoir une légère tension en fait au niveau de vos adducteurs.
On inspire, on expire. On n'hésite pas à accentuer donc la respiration. Tranquillement les jambes. Donc là, on en a fini donc avec tout ce qui est muscle de la jambe. Donc là, on va aller s'occuper un peu du bas du dos. Donc c'est simple, on se repositionne sur le dos tranquillement. On ramène les deux genoux à la poitrine. On bloque avec les mains. Et là, en fait, on va aller chercher à masser les lombaires. Donc c'est simple en faisant des rotations. Donc on va tourner quatre fois dans un sens. Et là, vous devez vraiment sentir que ça vous masse les lombaires. En général, c'est un exercice très apprécié. Donc, vous faites 4 rotations d'un côté et 4 de l'autre. Regarde bien face au plafond. Hein. Et vous alternez. Là, en général, ça fait quand même du bien, ça décontracte bien les lombaires. Et on répète les 4 rotations d'un côté. Et à nouveau on alterne. Vous relevez, on se relève jamais trop vite, on va toujours tranquillement. Alors là, on va s'occuper donc des muscles abdominaux. Donc là, on va simplement aller chercher donc la position du cobra. Donc vous allez voir de suite. Avant ça, je me suis un peu trompée. On va faire la position de l'enfant. Donc les pieds, les talons, le fessier sur les talons, pardon, on va aller chercher devant. Regarde face au sol et pour relâcher la tête. On expire. On inspire bien. Donc là, vous pouvez sentir aussi un étirement donc au niveau des muscles fessiers et des lombaires. De bien positionner vos mains. Il faut que votre bassin touche le sol et vous relevez la tête, regard face. Donc pareil au niveau des respirations, on expire bien. On inspire bien et on expire bien. Donc, bien regard face.
Et vous devez même ressentir un étirement au niveau de vos lombaires. Pour ceux qui sont quand même assez cambrés. Et on revient tranquillement sur les genoux. N'hésitez pas à refaire un petit coup de la position de l'enfant pour bien étirer au niveau des lombaires un petit coup. Ça fait du bien. Et ensuite, alors. Donc là, on va étirer un peu nos obliques. Donc, vous allez mettre vos genoux à 90 face à vous, le bras donc sur le côté, et vous allez chercher derrière. Donc là, vous allez ressentir un étirement au niveau des obliques. Et vous expirez. Et on inspire bien. On prend le temps. On se concentre sur notre exercice. Donc là, on a la chance, en plus on entend les oiseaux, donc c'est vrai que ça relaxe. Doucement. Et ensuite, on va passer donc aux muscles des épaules. Donc là, on va se relever tranquillement. Donc jamais ne vous relevez d'un coup. Hein. Prenez toujours le temps de bien dérouler votre colonne. Hein. N'allez jamais trop vite. Et là, donc, on va passer aux articulations des épaules. Donc on va ramener un bras devant et tourner la tête. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, vous pouvez simplement mettre le bras derrière. Et là. On inspire, on expire bien. On reste quand même droit, les genoux légèrement fléchis. Si vous avez du mal à garder l'équilibre, un pied derrière. Et on alterne avec le bras. Je pense à bien tourner la tête, le regard bien sur le côté. Épaules. Donc on va faire des rotations avec les épaules, donc 4 fois dans un sens et 4 fois dans l'autre. Donc n'hésitez pas à bien accentuer le mouvement, là on alterne, devant, derrière. Toujours les genoux bien fléchis, hein, le dos droit c'est important. Bien faire attention à votre respiration. Et là, on recommence au niveau 4 fois devant des mouvements, 4 fois derrière, et à nouveau des singles. Devant, derrière. Et là, on va passer sur nos cervicales, on va les tourner 4 fois dans un sens et 4 fois dans l'autre. Et là, on va faire nos singles. Et voilà, séance finie, merci.